Est-ce qu'on s'est tous posé la question, j'appelle qui si je dois cacher un corps? Mais arrêtez, on se la... Vous faites pas de soirée ou quoi? Non, je te jure, on se pose tous cette question-là. Moi, ça y est, j'ai trouvé ma réponse. J'appelle ma mère. Je te jure, je t'explique pourquoi. Je passais 4 jours chez mes parents, là. On a caché personne. C'est pas ça que ça faisait. Ça faisait longtemps, je n'étais pas resté aussi longtemps. Et je parlais de l'enfance et tout avec ma mère. Et on parlait d'Halloween. C'est à l'époque où on allait chercher des bonbons quand on était petit, tu vois. Et moi, j'étais grave efficace, hein. Waouh, laisse tomber. J'arrivais avec des sacs de... Vous en foutez de mon efficacité? Mais je tiens à vous le dire, j'étais efficace de ouf. Et j'étais un peu extrémiste dans la bouffe. C'est-à-dire, je mangeais tous les bonbons d'un coup. Du coup, ma mère, elle me les confisquait. J'avais trop la rage. Tu sais, j'étais là toute la soirée dehors, je faisais du porte-à-porte dans le froid. Toi, t'es là, tu viens, tu me raquettes devant les gens. Moi, je suis ton petit, en fait. Je suis un... Vas-y, un peu. Bah, cache bien les bonbons, on va voir si je vais pas les retrouver. À peine elle allait au taf, je me retrouvais tout seul le lendemain. Je retournais toute la maison. Tout. Je vidais ses affaires dans l'armoire et j'ai jamais trouvé les bonbons. Jamais. Et là, je parlais avec elle et je dis, ouais, maman, tu cachais où les bonbons et tout? Elle m'a dit, je te dirai pas. Je dis, je fais plus Halloween. Hein. Ça fait 10 ans, j'ai quitté la maison, tu peux me dire. Et elle m'a avoué où elle les cachait. Dans ma chambre. Mais c'est un génie du mal, en vrai. Mais moi, ça m'a choqué, je te jure. Jamais de ma vie, j'aurais pensé à chercher dans ma chambre. Je cherchais partout, mais pas dans ma chambre. C'est trop fort, non? Mais j'ai compris trop de choses, hein, maintenant, depuis là, ce week-end. Là. Elle regardait tout le temps les séries crimes, tu connais? Tout le temps. Des fois, je l'entendais, elle faisait « j'aurais pas fait comme ça ». Mais t'es qui, en fait, toi? Je te jure, j'appelle ma mère direct. J'appelle pas mon père, par exemple, je te dis la vérité. Une mère, c'est bien, un père, c'est bof. Hein. Je te jure, bof, un père, ça sert pas à grand-chose, je trouve. Non, une mère, ça a un cerveau interchangeable. C'est capable d'avoir plein de cerveaux et de réfléchir à ta place. Savoir comment tu penses. Mon père, il réfléchit que pour lui. Je te jure. Tu sais, il cachait où les bonbons? Je te jure que c'est vrai. Dans la bonbonnière. Plus c'est gros, plus ça passe. Mais papa, le vase, il est transparent. On les voit, les bonbons, là. Je te jure, il y a moyen. Demain, il y a une enquête. On a caché un corps avec mon père. Les flics, ils viennent. Mon père, il fait « Tu chauffes ?» Ouais, c'est là, dans le frigo. Bien joué. Je sais pas si ça vous le fait aussi, mais j'ai l'impression que tout le monde a vécu des relations toxiques en amour. À chaque fois que tu rencontres une meuf, elle te dit « Non, mais moi, je suis sorti avec un pervers narcissique de ouf. » Et quand tu parles avec un mec, il dit « Moi, je suis sorti avec une cinglée. » Tout le monde. Et j'ai compris pourquoi. Ça se transmet. Je te jure, écoute, je sais que c'est une théorie de fou, mais t'inquiète, j'ai une hypothèse. Ça se transmet, c'est contagieux. Parce que si t'es une meuf dans une relation toxique, le jour où t'es plus avec ton mec toxique, tu gardes des lacunes. Parce que quand tu rencontres une personne, tu la rencontres pas seulement elle. Tu rencontres elle et tout ce qu'elle a vécu avant, tu vois. C'est beau, hein. Ouais. C'était même pas écrit, c'était comme ça, génie. Ça se transmet, parce que si une meuf, elle a doute de tout, elle te fait vivre la misère. Moi, j'ai connu ce genre de meuf et tu réponds pas pendant 15 minutes, elle pète des câbles, elle te rappelle, elle entend une voix derrière toi, elle te dit c'est qui cette meuf? Tu dis écoute, je suis à la gare, c'est la voix off de la SNCF. Et moi, j'ai réfléchi à un truc pour arrêter la contamination. Faut tous les prendre et tu les mets en quarantaine. Non, j'ai réfléchi, en Alsace, tout le monde s'en fout de l'Alsace. Non, mais c'est bon, la France, elle a fait la guerre avec les Allemands pendant longtemps, faut bien que ça serve à quelque chose. Tu mets tous les gens toxiques en Alsace et ils font leur vie toxique entre eux. Désolé s'il y a des Alsaciens, c'est une balle perdue de ouf. Ou autre chose, tu sais, une sorte de Kems, un signe. Tu sais, elle te dit un truc, il y a Kems, tu sais qu'elle est toxique. Si tu parles cinéma avec elle et qu'elle te dit mon film préféré, c'est 50 nuances degrés, Kems. Tu vois? J'ai une technique pour voir s'il y a de la dangerosité chez votre meuf. Battez-vous avec elle. Je vais m'expliquer, 2 secondes, je vais m'expliquer. Je dis pas battez-vous en mode vraie patate. Tu vois, il y a vraiment que des fous, c'est un public de secpa. T'as de la chance, j'ai que 5 minutes. Si j'avais une heure, je t'aurais fait la misère. Tu te bats avec elle, et quand t'es un mec et tu te bats avec ta meuf pour rigoler, toi t'as qu'une obsession en tête, c'est de pas lui faire mal. T'es là pour te chamailler, tu rigoles avec elle, tu veux absolument pas lui faire mal. Elle, non. Tu sais, tu te bats avec elle, à un moment, tu vas te poser une question, tu vas dire, mais est-ce qu'elle essaie de me tuer, en fait? Et tu lui dis, calme-toi, on est en train de rigoler. Elle dit, non, mais je rigole, qu'est-ce qu'il y a? Bah, pose ce couteau, Nabila, qu'est-ce que tu fais?
Passez une bonne soirée, merci beaucoup. Je sais pas s'il y en a ici, mais moi je suis insomniaque de ouf, je dors très très peu. Et moi ce que je fais, c'est que je regarde énormément de séries. C'est vraiment beaucoup de séries, du coup je regarde des séries et j'ai le temps de réfléchir aux séries que je regarde. Et j'ai la chance d'avoir un de mes meilleurs potes qui est comme moi, il est insomniaque. C'est-à-dire à 4h du matin, on s'appelle et on débat sur des séries qu'on vient de regarder. Sauf que mon pote, il est... C'est-à-dire que les débats, c'est pas fou, tu vois. Sauf qu'à 4h du matin, tu donnes vite raison aux gens. Tu regardes, il m'appelle 4h du matin, il me dit j'ai regardé une série sur Netflix là qui parle des fantômes. Il me dit apparemment c'est des âmes qui sont bloquées entre les deux mondes. Je dis moi j'y crois pas. Je dis tu peux pas être bloqué entre deux mondes, tu peux être bloqué dans un ascenseur, mais tu peux pas être bloqué entre deux mondes. Il dit bah justement, ça se trouve entre les deux mondes il y a un ascenseur. Je lui ai dit j'avoue, ça se trouve il y a un ascenseur. Et 4h du matin, je vais pas lui dire non. Je dis ouais, il y a un ascenseur à 4h du matin. Tu sais, on parle beaucoup, il me dit, en vrai, j'aime bien regarder Netflix parce qu'ils ont une politique de quota, ils font en sorte de représenter les minorités. Et j'aime bien. Et du coup, depuis qu'il m'a dit ça, il m'a dit, chaque personnage, l'acteur ou l'actrice qu'ils ont pris, c'est jamais laissé au hasard. C'est un quota. J'ai regardé une série qui vient de sortir qui s'appelle Sandman. Je sais pas si vous avez vu. Okay. Et bah, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est en gros des rois qui représentent des émotions. Le personnage principal, c'est les rêves. Et c'est un homme blanc. Tu avances dans la série, tu rencontres Lucifer. Et Lucifer, ils ont mis une femme. Ça se tient. En vrai, ça se tient. Ça se tient. Ça se tient, en vrai. Non, on juge pas, mais ça se tient. C'est bon. Qu'on mette une femme ou un homme, c'est pareil. Mais une femme, ça se tient. Et t'avances encore un peu dans la série, et ils ont mis la mort, et ils ont mis une femme aussi. Ça se tient aussi, en vrai, je te dis la vérité, tu vois. Et tu sais, c'est une femme avec une douceur incroyable. Quand elle vient te chercher pour ton dernier souffle, elle le fait avec une douceur incroyable. Elle te dit, c'est fini, maintenant, il va falloir que tu me suives. Et les gens, ils la suivent. Détail important, c'est une femme noire. Et moi, je me suis dit, imagine, c'est vrai. Et toute ta vie, t'es raciste. Et la mort, c'est une femme noire, elle vient, elle te dit, ouais, faut y aller. Je vais nulle part. Elle dit, non, mais il faut venir avec moi, qu'est-ce que t'es en train de faire? Je m'en fous, je vais pas. Elle te dit, non, mais soit tu viens avec moi, mais tu peux pas retourner là-bas, dans tous les cas. Je m'en bats les couilles, reste ici. Et là, illumination, j'appelle mon pote. Frérot, les fantômes, c'est tous des racistes. Il me dit pourquoi c'est les racistes ils prennent pas d'ascenseur. Je dis mais t'es con quoi toi. Que des débats de fous. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup.